Comment trouver votre niche? Je suis Danielle Huard et j'aide les femmes de mon âge à construire leur entreprise avec des outils très performants. J'ai 60 ans bientôt. Alors, qu'est-ce qu'une niche, demandez-vous? J'aimerais vous expliquer plus en détail, car une niche mène à la vente, avec un tunnel, bien sûr. Eh bien, une niche est simplement un segment spécialisé du marché pour un type de produit ou service particulier. Une niche est un public finalement. Bien entendu, le public est celui qui achète ce que vous vendez. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous voulez limiter votre créneau à des détails. En d'autres termes, plutôt que de jouer au golf, c'est un club de golf ou une balle de golf. Plutôt qu'un animal de compagnie, c'est un chien, un chat, un oiseau ou même un créneau qui est plus étroit serait des colliers pour chiens et ou des jouets pour chats. Vous comprenez? Pensez-y avant de créer un tunnel de vente, car il peut vous aider à choisir le thème et la présentation de votre look au complet. Alors, les niches sont importantes. C'est l'une des parties les plus prédominantes de la construction de votre activité en ligne. Vous voulez choisir un créneau dont vous pourrez parler pour toujours. Vous voulez choisir quelque chose de passionné. La raison en est que vous allez avoir besoin d'idées et de contenu à mesure que vous développez votre tunnel de vente. Les gens ont la fausse illusion de créer un site web et de rédiger quelques pages de contenu sur le sujet, mettre des produits en ligne et voilà, tout fonctionne comme par magie. Non, ça ne fonctionne plus. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie d'entrepreneur, car j'ai eu plus de 10 sites web. Les gens aussi pensent que tout le monde se précipite sur votre site web, achetez, et vous devenez riche, et vous êtes super connu, mais ça ne fonctionne plus non plus. Donc, croyez-moi, depuis quelques années, je me suis vraiment consacrée pour trouver les bonnes façons de travailler et faire connaître mes services et les services de mes clients maintenant. J'ai appris beaucoup. Je suis prête à vous l'enseigner et même bâtir votre tunnel et trouver votre niche. Donc, très important, ne choisissez pas un créneau que vous n'appréciez pas, car ça doit être vraiment une passion. Ne pensez pas trop fort. Certaines personnes vont trop penser au processus de niche. Ils auront peur de faire un geste, craignant que ce soit la plus grande erreur qu'ils n'aient jamais commise en focusant sur un ou deux produits. Et leur entreprise est condamnée. Non. Consacrez un temps raisonnable à cela, mais ne laissez pas vous gouverner et perdre plein de temps. C'est bien mieux de faire quelque chose que de rien faire du tout. Il y a de l'argent à gagner avec n'importe quel créneau imaginable. C'est quelque chose qui vous habite et vous passionne, que vous parlez déjà à tous vos amis ou quelque chose qui a changé votre vie. Donc, si vous avez peur de bouger, ne le soyez pas. Vous pouvez gagner de l'argent avec n'importe quel créneau auquel vous pouvez penser. Il y aura des gens à la recherche de ce que vous avez décidé. Les choix sont infinis. Vous pensez peut-être et vous pouvez y arriver en développant votre tunnel de vente. C'est juste une question de trouver votre public cible. Nous allons couvrir tout cela dans d'autres vidéos plus tard. Comme vous le savez maintenant, la plupart des gens qui utilisent un site web ne gagnent que 1 000 par année et ça coûte très, très cher. Alors, la solution que Anthony Robbins et les plus grands de ce monde en marketing utilisent présentement, c'est encore, comme je vous dis, les tunnels de vente. Si vous avez des questions sur le tunnel de vente, il me ferait plaisir de répondre à vos questions. Écrivez-moi ou allez en bas de la page ou allez sur mon site web, mon Facebook. Et j'ai des solutions clés en main pour vous, car je peux vous aider à trouver votre niche pour faire votre super tunnel de vente. Alors, Danielle Huard et à très bientôt!